Si, nos têtes sont bien cadrées quand même. Parfait. Tu accepteras tout d'aller à la caméra et puis... Ok, ça marche. Allez. Hey, salut à tous les amis, c'est David Laforge Pokémon en compagnie de Miss Jirachi. Salut. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, mais tout d'abord, j'espère que vous avez la forme. Pour moi, c'est le plus important. Donc, on se retrouve pour un swap Pokémon. Qu'est-ce qu'un swap? En fait, un swap, c'est entre deux personnes, on s'offre un carton qui est rempli de cadeaux. Pour un budget, le même limité. Budget. Donc, ça peut être un budget de 30 euros à 250 euros, bah, tout ce que vous voulez. Quoi. Donc, bah, moi, je vais vous faire mon colis. Mon cadeau, enfin mon carton avec tous les cadeaux à Miss Jirachi qui l'a ouvert et qui a fait une vidéo sur sa chaîne. Voilà. Et donc du coup le lien sera dans la description. Et puis moi c'est à mon tour d'ouvrir le carton avec tous les cadeaux de Miss Jirachi. Donc voilà. C'est un peu une vidéo spéciale bah, pour nos 3 mois, 3-4 mois. 4 mois bébé. 4 mois? Bah oui 4 mois. Presque 4 mois. Bientôt. Bientôt 4 mois. Bientôt. Et bah voilà, ça nous fait super plaisir. Et puis bah. C'est pas à prendre mal, justement, c'est un nouveau concept et on espère que d'autres youtubeurs le feront au niveau de la communauté Pokémon. Voilà, parce que ça, c'est un peu un truc qui est répandu dans la communauté beauté. En fait. Voilà, c'est ça, c'est un nouveau concept pour Pokémon parce qu'en soi, ça a déjà été fait. En fait, je regarde beaucoup les chaînes beauté, etc. Et c'est de là que j'ai appris que ça s'appelait un swap et qu'il y avait tout ça. Et du coup, j'ai eu l'idée, tiens, David, si on faisait ça pour Pokémon parce que personne n'a encore jamais fait. Et c'est trop bien de s'offrir des cadeaux tous les deux, on sait pas ce qu'on va s'offrir. Et au final, voilà, c'est pas non plus de l'argent, enfin même si on serait quand même offert nos cadeaux quoi, mais je veux dire, c'est un même budget, etc. Donc c'est cool, voilà. Donc bah tu vas, je vais montrer le colis. Je vais aller voir si c'est joli et si on voit tout bien. Donc. À mon tour. Ah, déjà, voilà, tu écris. Je vais lire, qui a marqué pour l'amour de ma vie, je t'aime plus que tout. Donc il y a des cœurs dessus, il y a David et Elodie, le D et le E. Montrer. Regarde si on... Voilà, non, on voit pas bien. Je le ramène. Voilà, alors, là, il y a écrit pour l'amour de ma vie, je t'aime plus que tout. Voilà, et là, il y a D et E parce que David et Elodie. Voilà. C'est bien en train d'un record, là. Quoi? C'est bien en train d'un record. Oui, c'est bon, ça enregistre mon amour. On a pris un couteau pour enlever le scotch. Voilà, parce que moi j'ai mis du scotch. Ça risque pas que j'abîme là quand même. Bah, sachant que moi j'ai voyagé avec, tu vois, j'avais un petit peu peur que qu'il y ait des abîmages de trucs. Donc tu vas... Pardon, j'ai fait bouger la caméra. Tu vas bien voir ce que c'est et j'espère que ça va te plaire mon amour. Sans les amis. On voit bien la bébé? Oui. Ah. Wow. Donc alors moi je lui ai fait un petit menu en fait, donc voilà ça se présente comme ça. Et donc en fait chaque cadeau j'ai mis un petit truc à côté et il y a des numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Parce que six moi cadeaux. Je lui ai offert 6 cadeaux et lui m'en a offert 11, voilà, donc il a un petit peu démesuré. Alors, je vous lis, mon amour, voici ton swap, j'espère qu'il te plaira, n'oublie pas de suivre l'ordre du menu ci-dessous. Voilà, mon cœur assieds-toi, on va pas bien te voir sinon on voit pas ta tête. Voilà, est-ce qu'on voit bien là? Oui, parfait. Donc les parfait, amis, mon amour. Je vais commencer par le 1, tu m'as dit qu'il te manquait et que tu es bien Fennec. Donc, faut que je sais alors, pas, j'ai t'aidé à trouver le 1, mon cœur. T'inquiète, parce que là, il y a des petits trucs partout pour éviter que ça se casse. Donc là, on a le 3 et le 1, mon cœur, c'est celui-là, mon amour. D'accord. Voilà. Ok. Donc j'ai écrit 1 dessus. Hein. Ok. Et puis, j'espère que ça les va. Les amis, bah, vous allez voir quelqu'un d'heureux, normalement. Dans tous les cas. Normalement. Dans tous les cas. Bien sûr que tu vas être heureux, mon cœur. J'espère en tout cas que ça va te faire plaisir. Ouh là là. Alors. Ouh là là. On va découvrir ce que c'est en direct. Ouh là là. Déjà, vous pouvez voir un petit peu. Alors, il y a écrit Pokémon Petit. Pokémon Petit Série. C'est la nouvelle collection, la collection Pokémon Petite. Pokémon Petite. Voilà, ils ont Ouh là fait là des peluches. Et ils ont fait aussi. Je vais garder le carton parce qu'il est bien cool avec le Fennec. Voilà. Wow. Donc là, il y a des. Des petits journaux, wow, japonais. C'est ce que c'est, waouh. Et... Oh, des journaux japonais. Ouais, c'est des journaux japonais, j'ai déliré quand j'ai reçu ça. Ah, Leclerc, il y a une réduction sur les pamplemousses. Ah, bébé. Waouh, oh non. Voilà. Oh non, les cappuccinos. Alors, c'est une tasse oh, les cappuccinos là-dedans. Mon amour, tu sais qu'on adore prendre des cappuccinos tous les deux. Et puis, je t'ai demandé c'était quoi ton starter préféré, en fait. Et c'était ouais. Parce qu'il y avait les trois starters. Et je sais que t'as pas de tasse wow. Vraiment à toi. Donc wow, les amis, je vais te la montrer. Fais attention bébé. Hein. Donc c'est une tasse comme ça, Fennec. Voilà, donc hop. Et là le derrière, Pokémon Petite. Donc franchement c'est une tasse, elle est très très grande, elle est très très jolie. Et je l'adore. Et c'est une tasse du Pokémon Center. Hein.
tout droit venu du Japon et j'espère que ça te plaît. Ça me plaît, ça me plaît, c'est terrible. Voilà, déjà. Ensuite, numéro 2. Alors, je pense à tes prochaines ouvertures. Alors, hein? Oui, je pense à tes prochaines ouvertures, mon cœur. C'est quoi ça? Donc, le numéro 2, il est pas là. Il est tout au fond. Ah si, c'est celui-là. Ah, les amis, je suis trop heureux. Cœur. Donc, j'ai mis des papiers cadeaux différents. Donc là, tu peux sentir un petit peu Les bébés, mais t'es sérieuse, là? J'ai mis, voilà. Mais allez, je ouvre. Sais ce que c'est, mais... Non, mais ouvre, tu sais pas ce que c'est, mon amour. Ah non, ah! Non, mais tu vas voir. C'est cool. Tu vas voir, mon cœur, si ça te plaît. Qu'est-ce que c'est? Je sens le truc à l'arbre d'un truc. Alors, on a une Pokébox. Voilà. Oh, bébé. Une Pokébox Lugia. Oh non. Donc c'est pas ça, le cadeau, c'est pas la Pokébox Lugia, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Bébé. Je t'en prie, mon cœur, ouvre. Non mais bébé. Ah si, mon cœur. Oh. Voilà, donc c'est... Non. Oh mais bébé. Qu'est-ce que c'est, mon amour? C'est des boosters Dragon Exalté, les amis. Oh, trop voilà. Bien. Donc il y en a 10, mon amour. Oh, trop bien. 10 boosters Dragon Exalté pour une de tes prochaines ouvertures. Oui, je vais les ouvrir, ne t'inquiète pas. Voilà, donc je vais montrer un petit peu plus près les boosters, si tu veux. En plus, les amis, c'est des boosters qui commencent à devenir assez rares. Donc voilà, donc il y a des boosters Giratina, des boosters Terrakium, des boosters Léviator et des boosters Equazaya. Il y a les 4 illustrations. Mais Destinée Future, Dragon Exalté, Frontières Franchies, ça commence à être difficile de trouver des boosters. Voilà. Et tu m'offres 10 boosters. Et du coup, 10 boosters, parce que je sais qu'ils voulaient me les acheter, hein, mais que dalle, hein, tu vas pas me les acheter, mon cœur, bon, je te les offre. Voilà. Et voilà, comme ça. Allez, amis, on va se réserver ça pour une ouverture. Hein. Voilà, j'espère que ça te fera plaisir et que tu auras plein d'ultra à l'intérieur, mon amour. J'espère, on verra. Hein. Voilà. Bah déjà, donc ça c'est le deuxième, on est déjà au deuxième cadeau. Waouh. Ah mais les amis, ça va être mortel ça, alors là, voilà. En tout cas les amis, j'espère que vous aimez cette vidéo, hein. Ça va être franchement, profitez bien. C'est un petit moment, on va dire, hors YouTube, où vous nous découvrez un peu plus et tout. Voilà, on améliore notre relation avec vous, clairement. Voilà, c'est on aime bien. Ça. On vous plonge un petit peu dans notre intimité de couple et d'amoureux. Allez mon cœur, tu es le numéro 3, bébé d'amour. Pour mon Xanéas du 41 à moi. alors les amis... Explique mon cœur. En fait, quand j'ai tourné ma première vidéo un soir, je tournais avec l'iPad et je savais pas j'avais pas de pseudo. Et pour vous dire tellement que ma chaîne YouTube, je m'en fichais, mais vraiment, je voulais faire une vidéo au hasard. Pendant que je tournais la vidéo, il fallait bien que je trouve un pseudo. Un pseudo. Et j'habite dans le 41, il y avait XY à les entières et je m'appelais Xerneas 41. Donc en fait, le premier pseudo de David, c'était Xerneas du 41. Si vous êtes là depuis le début, vous le savez. Sinon, vous êtes tombé directement sur David Lafarge Pokémon. Ça a toujours été David Lafarge. Dans la vidéo, je disais David Xerneas 41. Mais YouTube m'a laissé David Lafarge et ne voulait pas me changer mon pseudo. Et du coup, je pense que c'est mieux que ça soit David Lafarge que Xerneas 41. Voilà. Hey, salut à tous, c'est Xerneas 41. Là c'est pour mon Xerneas du 41 à moi. D'accord, je sais pas du tout ce que c'est. Je vais essayer de... Allez. On dirait un CD. Ok. Allez mon cœur. Allez, allez bébé, ouvre. C'est pas vrai. Ouvre. Oh, allez, non, ouvre bébé. Mon cœur. Voilà, donc... Oh putain. C'est Pokémon X. Bébé, il a pas eu l'occasion d'avoir... le jeu Pokémon X et il a pas non plus de 3DS. Et donc du coup là j'ai décidé de lui offrir le jeu Pokémon X parce que Xerneas du 41 hein, logiquement. Wow, j'ai ému les amis. Voilà. Bon, oh, truc de fou. Plaisir, bah oui mais trop. Wow. Voilà. Ah c'est fou bébé. Mon amour. Ah ce jeu. Ça te fait plaisir mon gars. Ah ouais carrément ouais. Voilà vu que tu l'avais pas eu là je te l'ai. Tu l'as maintenant mon amour. Waouh. Ouais les amis moi je suis en retard mais. Je me rattraperai sur les jeux, il n'y a pas de souci. Peut-être que vous aurez une surprise en fin d'année aussi. Ton premier let's play, tu nous le feras sur Pokémon X. Non, tu feras sur... On verra s'il y a des let's play déjà. Ouais. Mais je pense lancer quelque chose avec les let's play. Voilà. Bon, voilà. Puisque David a les un don pour les let's play, comprenez. Voilà, donc Pokémon X, je lui montre. Si j'ai un don pour les let's play, mais... Voilà, donc le jeu Pokémon X sur Nintendo 3DS. Oh. Mais le truc, c'est qu'en fait, David, il a pas de Nintendo 3DS, en fait. Ouais. Et donc là, on arrive au numéro 4. Jouer avec seulement ça, c'est difficile. Non. Et là, on arrive au numéro 4. Mon cœur, j'espère que ça va te plaire. En tout cas, moi, ça me fait très très plaisir de t'offrir ça. Je t'en prie, ouvre ton cadeau, mon cœur. Sérieusement, là? Allez, bébé, ouvre ton cadeau, bébé d'amour. C'est pas possible. Non, bébé, je sais. T'as déconné. Donc là nous pouvons voir à première vue un chargeur en fait.
Et puis si tu enlèves un petit peu tout le scotch qu'il y a en dessous, hop, je te le fais mon amour. Non mais non non là, non. Je peux voir en fait. Bon, je vais déchiqueter la boîte, ouais. Mais c'est pour la bonne raison. Oh, non mais non mais bébé, mais sérieusement là. Voilà mon cœur. Sérieusement bébé. Donc j'ai parfaitement gardé le budget. Pourquoi? Parce que en fait j'ai deux 3DS et ça c'est mon ancienne 3DS. Le truc c'est qu'en fait elle était rose, donc du coup je me suis dit comment est-ce que je vais faire pour pas que ça fasse trop fille. Et voilà, et ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté des stickers. Ah non mais moi ce qui compte c'est la 3DS quoi. Voilà, j'ai acheté des stickers pour remasteriser le truc que ça fasse pas rose fille quoi. Non mais voilà. Attends, mon cœur t'es sérieuse hein? Oui mon cœur, je suis totalement sérieuse. Ça me fait extrêmement plaisir de t'offrir ça bébé d'amour. Attends, mais j'ai un bisou. Ça te fait plaisir mon cœur? Oh non, mais j'y crois pas, mais sérieusement. Et tu disais mon swap nanana, mais arrête. Voilà, ça monte de plus près. Ouais. Donc voilà, alors carrément, en fait j'ai acheté ça sur eBay, enfin pas la DS mais les petits stickers. C'est en gros des petits stickers à coller sur la DS pour remasteriser le truc en fait. Et je l'ai trouvé juste magnifique. Et vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouvais que ça, voilà, la DS du coup elle fait plus trop rose, elle fait plus pour tout le monde. Et du coup j'ai décidé d'offrir une petite 3DS à mon amour. Oh c'est mortel, oh putain. Pour aller avec le jeu Xerneas. Oh là là. Voilà. Oh non mais genre, t'es abusé, franchement, non t'es abusé. Ça te fait plaisir mon gars? Carrément, ouais. Super. On va commencer dès ce soir le Shiny Hunting. Voilà, dès ce soir tu pourras commencer à jouer et enfin on pourra parler de l'aventure et tu connaîtras tous les Pokémon de la 6G mon ami. Waouh, non. Voilà. Pou. Oh là là, en plus avec les autocollants Pokémon dessus, franchement ça envoie du lourd et tout. Ouais, j'ai trouvé magnifique aussi les autocollants Pokémon. Oh, je les trouve super. Oh bébé, tu vas pas me croire, mais ce fond là... J'avais imprimé une feuille, c'était pour un résultat de concours. C'était ce fond-là ouais, bah, mon gars, en tout cas, c'est super bien, c'est des Canadiens qui font ça, j'ai reçu ça du Canada. Canadien. Et c'est super top, je trouve, ce qu'ils ont fait. Voilà, bah écoute mon cœur, on passe au numéro 5 si tu veux, mon bébé. Ah ouais, mais j'ai trop envie de t'offrir tous tes cadeaux et que tu vois tout. Tes deux passions mélangées, ça donne ça. Alors, quelles sont tes deux passions, mon cœur? Tennis de table et Pokémon. Et Pokémon. Donc tiens, je t'en prie, découvre. Donc déjà, écoute le son. Qu'est-ce que ça te dit, ça? Ce son, ça, c'est quoi, ce son? C'est des balles. C'est des balles, vous venez, ça, c'est... D'accord. Tu peux tout déchirer, mon amour, ça va pas se casser, t'inquiète pas. Oh là là. Donc, en fait, mon cœur, c'est des balles de ping-pong. Et tu vas voir, je te laisse, voilà. Donc là, c'est la première, c'est des balles de ping-pong personnalisées en fait. Oh mon dieu. Et mon cœur, je te laisse voir les autres, tu vas aussi les aimer, c'est deux trucs différents les deux. Voilà. Mais donc, comment t'as vu ça où? Mon cœur, je vais en montrer une pendant ce temps-là, tu peux regarder les autres. Donc en fait, mon bébé, il fait du ping-pong et il adore Pokémon, donc j'ai personnalisé des balles de ping-pong. Et donc j'ai mis Lugia qui est un de ses Pokémon préférés. Donc c'est des vraies balles de ping-pong, hein, sauf que tu peux, enfin on peut les personnaliser. Comment donc du coup j'ai décidé de mettre Lugia. Mais c'est des Cornillo Pro en plus, enfin c'est... Et mon cœur, le deuxième, j'espère qu'il va te plaire tout autant. Oh voilà. Oh putain. Oh non. Et le deuxième. Oh non. Donc je vous laisse voir. Hop, le deuxième, c'est des balles sur lesquelles j'ai écrit David Lafarge. Voilà, David Lafarge Pokémon. Donc maintenant mon bébé il pourra jouer au ping-pong avec des vraies balles de ping-pong où il y a écrit David Lafarge Pokémon dessus. Je vais en prendre qu'une pour jouer. Et les amis, j'ai une finale à jouer, j'ai été qualifié. J'ai été pris pour jouer une finale par équipe. Tout au long de l'année, je vous ferai une petite vidéo, je ferai du tennis de table aussi, ça sera un petit moment pour me découvrir, etc. Et je pense que je ferai, si je demanderai à l'arbitre parce que je connais tout le monde. Je vais faire une finale avec une de ces deux balles, je vais essayer, ça va être tendu, mon cœur c'est mortel. Oh, je savais même pas. Ça te plaît mon cœur? Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Bah moi non plus en fait. En fait ce que je t'explique, je suis allée dans. J'ai tapé Pokémon Center sur eBay et en fait j'ai vu des balles de golf Pokémon. Et je me suis dit mais c'est con, ils font pas de balles de ping-pong Pokémon. Et du coup je suis allée sur un site, j'ai tapé balles de ping-pong personnalisées et j'ai vu que c'était possible, qu'on pouvait écrire et mettre des photos au choix. Donc j'ai fait 6 balles où il y a écrit David Lafarge et 6 balles où il y a Lugia dessus. Voilà mon cœur. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Voilà. Oh là là, mais maintenant c'est moi qui ridicule par mais rapport non, à toi. Mais non, mais j'espère que... Enfin, moi c'est plutôt mon swap, j'espère qu'il est à la hauteur du tien parce que le tien il est super aussi mon ami. Ouais, bah de toute façon tout sera dans la description pour aller voir mon swap pour Mijirachi. Et puis bah voilà, et ainsi de suite. Voilà. C'est terrible mon cœur, mais là... Ça te fait plaisir? T'as tout pété là, c'est... Bon ça va. Waouh. Et donc le dernier, bébé d'amour,
Ah ouais, il y en a un autre. Finissons avec ton Pokémon préféré. Et donc là, c'est, je crois bien, la seule chose qui est vraiment totalement en rapport avec notre chaîne. Alors, si c'est... C'est... Alors, si... genre, les amis, je vais peut-être parler ridicule quand je vais ouvrir un cadeau, mais si c'est la carte, en fait, c'est par rapport à l'extension que j'ai commencé ma chaîne. Je sais pas ça parce que je dis, mais... C'est un Pokémon que t'aimes énormément, mon cœur. C'est un Pokémon que t'aimes énormément. C'est ton Pokémon préféré sur une carte. Bébé, t'as déconné. Voilà, mais ça va pas être... Non, mais je sais que ça va pas être aussi bien. Qu'est-ce que tu penses, hein? Donc là, tu peux voir qu'il y a Glacier son plasma. Si, c'est ça. C'est ça. Ah, super, mon cœur. Je suis contente que ça te plaise. C'était la carte. En fait, les amis, j'ai commencé ma chaîne à Glacier son plasma et j'ai pas pu vous en ouvrir. Parce qu'à l'époque, bah, je savais pas, quoi. J'étais nu. Et j'ai voulu cette carte, elle est neuve. Elle est neuve, voilà. Donc, bébé, c'est pas possible. De glacer son plasma. Oh my god. Parce que j'adore Deoxys, les amis. Tellement que j'adore Deoxys. Enfin, vous irez écouter la musique de Pokémon 3 sur internet. Et quand j'écoute cette musique, je pleure parce que Pokémon, c'est mon enfance. Ouais, c'est vrai. Deoxys, il y a tout dedans. Et d'ailleurs, je devais te chanter la chanson de Pokémon 3. Tu vas me la chanter. Mon mais mon cœur, en fait, c'était un des cadeaux, mais chanter une chanson, je trouve pas que ça soit vraiment un super cadeau. Vas-y, bébé, chante-moi, ça fera un super cadeau. Non, mais là, t'as tout pété. D'accord. T'as tout pété. Quoi, pour finir, on va finir ce swap et j'espère que ça t'a plu, mon amour, et que vous aussi, ça vous a plu. J'ai appris le générique de Pokémon 3 parce que c'est le générique de mon amour. Il l'aime énormément. Donc du coup, bah, je vais le chanter parce que je me débrouille pas trop mal en chant, voilà. Oh bébé, pleure pas mon cœur. Allez, on veut tous être le meilleur dresseur et prouver de quoi on est capable. On veut tous se montrer à la hauteur d'un destin qui paraît incroyable. Chaque jour qui passe, tu progresses et tu deviens plus fort. Tu te surpasses, continue, tu t'améliores. Le monde change tout autour de nous. Le monde change et devient flou. Le monde change, c'est tout. Et reste le même malgré tout. Car il faut tous les attraper. Être le plus déterminé. Merci, ma queue. Voilà. Donc j'essaye de finir ce set d'une manière assez joyeuse, mais il est très émotif, mon amoureux. Et je suis contente parce que je vois que ça t'a fait très plaisir, mon cœur, tous ces cadeaux, même si c'est moins de cadeaux que ce que tu m'as offert. J'ai essayé de mettre mon maximum dans chacun des cadeaux, de faire ce qui te plaît le plus. Et voilà, et j'espère que ça t'a plu, mon cœur, et je vois que t'es très émue, et voilà, et je t'aime. Désolée, les amis. Je t'aime, mon amour. Je t'aime aussi, mon cœur. Voilà, bon, bah écoutez, moi ça m'a fait très plaisir. Ah, c'est fou. Que ça lui fasse plaisir parce que voilà, c'est super et c'est trop bien et j'espère que tu vas être encore plus heureux avec des balles de ping-pong, des boosters, une 3DS et une tasse et moi. Et puis voilà. Oh, c'est fou. Donc comme vous voyez, il est assez ému, mon amour. Je suis désolée, les amis. Non mais c'est normal, mon cœur. Voilà. Bon. Ouais. Bah écoutez, je vais vous faire un petit... Ouais. On fait des bisous les amis et... On vous fait des gros bisous. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime et puis un commentaire. Puis je répondrai avec plaisir. Et puis il y a le swap, il y a mon swap sur la chaîne des Mijirachi aussi. N'hésitez pas à aller voir nos deux swaps pour voir un petit peu ce qu'on sait offert tous les deux. C'est deux swaps qui sont assez différents, mais je pense qu'au final ça se vaut. Les deux ont autant de valeur sentimentale. Voilà, l'un et l'autre, et ça nous a fait extrêmement plaisir tous les deux, voilà. Donc, écoutez, merci. On vous fait des gros bisous, il n'y a pas de soucis, mon amour. Ah, merci. On vous fait des gros bisous. On vous fait des bisous, les amis, et écoutez, portez-vous bien, et puis je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt, les amis, bye. Bisous. Oh, bébé, t'as déconné. Bébé, mais